c'est toujours intéressant. Déjà, d'après la question que tu m'avais posée la dernière fois, tu as tendance, toi, à mettre l'accent très vite. Tu as tendance à mettre l'accent très vite sur une notion authentiquement spinoziste, celle de tendance à persévérer dans l'être. Je dis ça parce que c'est intéressant pour toute lecture. Donc vous, quelqu'un qui lit, vous comprenez, c'est forcément quelqu'un qui met déjà des accents sur tel et tel point. C'est comme en musique, les accents ne sont pas donnés hein, dans un texte. Alors voilà Comtesse qui, déjà la dernière fois, il me disait « Bon, c'est très joli tout ça, mais le conatus, ce que Spinoza appelle en latin le conatus, c'est-à-dire ce qu'on traduit d'habitude par la tendance à persévérer dans l'être, qu'est-ce que tu en fais ?» Et moi, je lui répondais, ben, écoute, faut me pardonner, pour le moment, je ne peux pas l'introduire, parce que dans ma lecture, je mets des accents sur d'autres notions spinozistes, et la tendance à persévérer dans l'être, finalement, ça allait déjà de soi d'après ce que je disais, je la conclurai, quelque importance que je lui donne, je la conclurai d'autres notions, qui sont celles, pour moi, les notions essentielles, mais je ne dis pas du tout que j'ai raison, celles de puissance et d'affect. Aujourd'hui, tu reviens un peu au même thème. Ce qui revient, et ce qui me paraît très intéressant, ce qui est une manière de me dire, eh bien moi, je ne lis pas exactement, même si on est d'accord sur l'ensemble, tu me dis en gros, moi je ne lis pas exactement Spinoza comme toi, parce que moi je mettrai l'accent immédiatement sur tendance à persévérer dans l'être. Alors vous comprenez, à ce niveau, moi je trouve, il n'y a même pas lieu à une discussion, m'intéresse beaucoup ce que dit Comtesse, c'est comme pas du tout une lecture contradictoire. Lui vous proposerait évidemment une autre lecture, c'est-à-dire différemment accentuée. Quant au problème précis que tu viens de poser, ton premier, ce que tu annonçais comme un premier problème que tu me posais, moi, sur cette histoire homme raisonnable, homme dément, moi, je répondrai exactement au point où j'en suis, là, je répondrai exactement ceci. Qu'est-ce qui distingue le dément et l'homme raisonnable selon Spinoza ? Et, inversement, en même temps, dans la même question, il y a « qu'est-ce qui ne les distingue pas ?» De quel point de vue est-ce qu'ils n'ont pas à être distingués ? De quel point de vue est-ce qu'ils ont à être distingués ? Je dirais, pour moi, pour ma lecture, en tout cas, la réponse de Spinoza est extrêmement rigoureuse, quitte à ce qu'on ne la comprenne que plus tard. Si je résume la réponse de Spinoza, il me semble que ce résumé serait ceci. D'un certain point de vue, il n'y a aucune raison de faire une différence entre l'homme raisonnable et le dément. D'un autre point de vue, il y a une raison de faire une différence. Premièrement, du point de vue de la puissance, j'introduis toujours pas tendance à persévérer dans l'être. Sans doute que cette notion, elle me plaît moins que les autres, je sais pas, on choisit toujours pas. Du point de vue de la puissance, il n'y a aucune raison d'introduire une différence entre l'homme raisonnable et l'homme dément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont la même puissance ? Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même puissance. Mais ça veut dire que chacun, autant pour autant qu'il est en lui, réalise, effectue sa puissance. C'est-à-dire, pour parler comme Spinoza et Comtesse à la fois, c'est-à-dire, chacun, autant qu'il est en lui, s'efforce de persévérer dans son être. Donc, du point de vue de la puissance, en tant que chacun, d'après le droit naturel, s'efforce de persévérer dans son être, c'est-à-dire, effectue sa puissance. Vous voyez, je suis jamais toujours entre parenthèses, effort, là, parce que c'est pas qu'il s'efforce de persévérer, c'est pas qu'il essaie. De toute manière, il persévère dans son être autant qu'il est en lui. C'est pour ça que j'aime pas bien l'idée de conatus, d'effort, qui ne traduit pas, il me semble, la pensée de Spinoza en fait. Car ce qu'il appelle un effort pour persévérer dans l'être, c'est le fait que j'effectue ma puissance à chaque moment, autant qu'il est en moi. Il y a, en fait, ce n'est pas un effort. Genre, enfin, il me semble pas bon. Peu importe. Mais du point de vue de la puissance, donc, je peux dire chacun se vaut. Non pas du tout parce que chacun aurait la même puissance. En effet, la puissance du dément
n'est pas la même que la puissance de l'homme raisonnable. Mais ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est que quelle que soit la puissance, chacun effectue la sienne. Donc de ce point de vue, je ne dirais pas l'homme raisonnable vaut mieux que le démon. Je ne peux pas, j'ai aucun moyen de le dire. Chacun a une puissance, chacun effectue cette puissance autant qu'il est en lui. C'est le droit naturel, c'est le monde de la nature. Bon. De ce point de vue, je ne pourrais pas faire une différence, je ne pourrais établir aucune différence de qualité entre l'homme raisonnable et le fou. Mais, deuxième point, d'un autre point de vue. Je sais bien que l'homme raisonnable est, entre guillemets, meilleur que le fou. Meilleur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sans doute plus puissant, au sens spinoziste du mot. Donc, d'un certain point de vue, d'un autre point de vue, de ce second point de vue, je dois faire et je fais une différence entre l'homme raisonnable et le fou. Bon, quel est cet autre point de vue? Moi, d'après ce que j'ai fait la dernière fois, ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois, moi, ma réponse, selon Spinoza, ce serait exactement ceci. Du point de vue de la puissance, vous n'avez aucune raison de distinguer le raisonnable et le fou. Mais de l'autre point de vue, à savoir celui des affects, vous distinguez le raisonnable et le fou. D'où vient cet autre point de vue? Vous vous rappelez? La puissance est toujours en acte, elle est toujours effectuée. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il effectue? Les affects. Les affects sont les effectuations de la puissance. C'est-à-dire, ce que j'éprouve en action ou en passion, c'est cela qui effectue ma puissance. À chaque moment. À chaque instant. Eh bien, si l'homme raisonnable et le fou se distinguent, ce n'est pas par la puissance. Chacun réalise sa puissance, donc ce n'est pas par la puissance. C'est par les affects. Les affects de l'homme raisonnable ne sont pas les mêmes que les affects du fou. Bon. D'où tout le problème de la raison sera converti par Spinoza en un cas spécial du problème plus général des affects. La raison désigne un certain type d'affect. Et ça, c'est très nouveau. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a une telle conception de la raison. C'est très nouveau. Dire la raison, elle ne va pas se définir par des idées. Elle, bien sûr, elle se définira aussi par des idées. Elle ne se définira pas théoriquement, mais il y a une raison pratique qui consiste en un certain type d'affect, en une certaine manière d'être affecté. Ça pose un problème très pratique de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire être raisonnable à ce moment-là? Forcément, c'est un ensemble d'affects, la raison, pour la simple raison que c'est précisément les formes sous lesquelles la puissance s'effectue dans telle et telle condition. Donc, à la question que vient de poser Comtesse, vous voyez, ma réponse serait relativement stricte. En effet, quelle différence y a-t-il entre l'homme raisonnable et le fou? D'un certain point de vue, aucune. Du point de vue de la puissance, d'un autre point de vue, énorme. Du point de vue des affects qui effectuent la puissance. Deuxième question, si tu veux bien. Oui. Oui. Et la question, ça c'est celle-ci, est-ce que l'on peut dire que Spinoza est un disciple de Hobbes parce qu'il définit le droit naturel comme une puissance en acte? Parce que pour Spinoza, le pacte fonctionnel qui institue l'état social implique que cet état social, justement, est bon, que s'il consolide ou augmente ma puissance propre comme expression de la puissance de la vie divine. Autrement dit, c'est dire que pour Spinoza, le droit civil, le droit de ce qu'il appelle la souveraine puissance de la nation, eh bien le droit civil, c'est ce qui prolonge, c'est ce qui continue d'une certaine façon, c'est ce qui poursuit le droit naturel. Or, justement, même si l'état de nature ou de guerre des loups devient la menace
de l'état de société, il reste que l'état, le Léviathan, c'est ce qui dessaisit du droit naturel aux personnes. Il dessaisit du droit naturel les individus possessifs ou dévorateurs. Or, pour Spinoza, justement, la souveraine puissance de la nation continue la puissance naturelle. Il n'y a pas de désistance. Donc là, il y a un problème de différence entre Spinoza et Hobbes. Et la monarchie libérale que pense Spinoza, la monarchie qu'il appelle bien établie, prévient la dégénérescence d'un État tyrannique qui n'assurerait ni la paix, ni la sécurité, ni la liberté. Donc le deuxième point, c'était que peut-être Spinoza n'est pas un disciple simple de Hobbes, parce que pour lui, il n'y a pas de discontinuité, de rupture, mais un prolongement entre droit naturel et droit civil. Ma réponse serait celle-ci. Là aussi, ça met en jeu des manières de lire, vous comprenez. Tu marques une différence entre Spinoza et Hobbes, et tu as complètement raison de la marquer, et tu la marques très exactement. La différence, si je la résume, est celle-ci. C'est que, pour l'un comme pour l'autre, Spinoza et Hobbes, on est censé sortir de l'état de nature par un contrat. Mais, dans le cas de Hobbes, il s'agit bien d'un contrat par lequel je renonce à mon droit de nature. Je précise immédiatement, parce que c'est plus compliqué quand même que tu ne l'as dit, s'il est vrai que je renonce à mon état de nature, à mon droit naturel, en revanche, le souverain, lui, ne renonce pas au sien. Hein. Donc, le droit de nature est conservé aussi par... D'accord. Il est conservé, mais d'une autre manière que chez Spinoza. Pour Spinoza, au contraire, dans le contrat, je ne renonce pas à mon droit de nature. Je ne renonce pas à mon droit de nature. Et il y a la formule célèbre de Spinoza dans une lettre, « Je conserve le droit de nature même dans l'état civil ». Et cette formule célèbre de Spinoza, « Je conserve l'état de nature même dans l'état civil », signifie clairement, pour tout lecteur de l'époque, sur ce point, je romps avec Hobbes, qui, lui, d'une certaine manière, conservait aussi le droit naturel dans l'état de nature, dans l'état civil, mais seulement au profit du souverain. Non, encore ce que je dis est trop vite, mais peu importe. Ça n'empêche pas que je disais Spinoza, en gros, est disciple de Hobbes. Oui, pourquoi? Parce que sur deux points généraux, mais fondamentaux, il suit entièrement ce qu'on peut appeler la révolution hobbesienne. Et que je crois que la philosophie politique de Spinoza aurait été impossible sans l'espèce de coup de force que Hobbes avait introduit dans la philosophie politique. Et quel est ce coup de force, ce double coup de force? J'ai essayé de le dire. Quelle était la nouveauté vraiment prodigieuse, très très importante de Hobbes? C'est, première nouveauté, avoir conçu l'état de nature et le droit naturel d'une manière qui rompait entièrement avec la tradition cicéronienne. Or, sur ce point, Spinoza entérine entièrement la révolution de Hobbes. Deuxième point, dès lors, avoir substitué l'idée d'un pacte de consentement comme fondement de l'état civil, avoir substitué l'idée d'un pacte de consentement à la relation de compétence telle qu'elle était dans la philosophie classique, de Platon à saint Thomas. Or, sur ces deux points fondamentaux, l'état civil ne peut renvoyer qu'à un pacte de consentement et pas une relation de compétence où il y aurait une supériorité du sage. Et toute la conception, d'autre part, de l'état de nature et du droit naturel comme puissance
et effectuation de la puissance. Ces deux points fondamentaux appartiennent à Hobbes. C'est en fonction de ces deux points fondamentaux, je dirais, la différence évidente que Comte vient de signaler entre Spinoza et Hobbes suppose et ne peut s'inscrire que dans une ressemblance préalable, ressemblance par laquelle Spinoza suit les deux principes fondamentaux de Hobbes. Ça devient ensuite un règlement de compte entre eux à l'intérieur de ces nouveaux présupposés introduits dans la philosophie politique par Hobbes. Et enfin, petit pour répondre complètement, hein, quand tu parles de la conception politique de Spinoza, moi je crois on sera amené à en parler du point de vue toujours de ces recherches qu'on fait cette année sur l'ontologie, en quel sens est-ce que l'ontologie peut comporter ou doit comporter une philosophie politique. Il ne faut pas oublier que quant aux histoires, quand tu as fait allusion là, à la monarchie libérale, n'oubliez pas qu'il y a tout un parcours politique de Spinoza, je le dis très vite là, comme j'en avais pas encore parlé, un parcours politique très 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 fascinant, quoi. Parce qu'on ne peut pas même lire un livre de philosophie politique de Spinoza sans comprendre quel problème il pose, et quel problème politique il vit. Parce que les Pays-Bas, à l'époque de Spinoza, c'était pas simple, la situation politique. Or, tous les écrits politiques de Spinoza sont très branchés sur cette situation. Or, si vous voulez, c'est pas par hasard que Spinoza fait deux livres de philosophie politique, l'un le traité théologico-politique, l'autre le traité politique, et qu'entre les deux, il s'est passé assez de choses pour que Spinoza ait évolué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que les Pays-Bas ont toujours été, à cette époque-là, étaient déchirés entre deux tendances. Il y avait la tendance de la Maison d'Orange, et puis il y avait la tendance libérale des frères de Witt. Or, les frères de Witt, dans des conditions d'ailleurs très obscures, qu'on verra, l'ont emporté à un moment. Bon, la Maison d'Orange, c'était pas rien, hein, c'était quand même une politique... je veux dire, ça mettait en jeu tout, la politique extérieure, les rapports avec l'Espagne, la guerre ou la paix, les frères de Witt étant fondamentalement pacifistes, ça mettait en jeu la structure économique, la Maison d'Orange appuyait les grandes compagnies, les frères de Witt étaient très hostiles aux grandes compagnies, tout ça, ça brassait tout, hein, cette opposition Maison d'Orange, frères de Witt. Or, les frères de Witt ont été liquidés, hein, c'est-à-dire assassinés. Assassinat des frères de Witt dans des conditions extrêmement pénibles. Spinoza a ressenti ça comme vraiment le dernier moment où il pourrait plus écrire, hein, parce que il pouvait y passer lui aussi, tout ça c'était pas simple, mais l'assassinat des frères de Witt lui a porté un coup, surtout qu'il semble bien que les frères de Witt, enfin que l'entourage des frères de Witt protégeait Spinoza. Or, le ton, la différence de ton politique entre le traité théologico-politique et le traité politique s'explique parce qu'entre les deux, il y a eu l'assassinat. Et que Spinoza, là, croit plus tellement à ce qu'il se disait encore avant, au moment du traité théologico-politique, il se disait encore, oui, une monarchie libérale, ça peut se faire. Son problème politique, lui, il le pose d'une manière très belle, très actuelle encore. Il dit qu'il n'y a qu'un problème politique, finalement, c'est il faudrait essayer de comprendre. Il ne faut pas faire de la satire, là aussi. Il faut comprendre, c'est-à-dire faire de l'éthique en politique, et comprendre quoi? Comprendre pourquoi est-ce que les gens se battent vraiment, se battent pour leur esclavage. Ils ont l'air d'être tellement contents d'être esclaves qu'ils sont prêts à tout pour rester esclaves. Comment expliquer un pareil truc? Et ça le fascine. Et comment expliquer que les gens, oui, à la lettre, comment expliquer que les gens ne se révoltent pas? En même temps, révolte, révolution, vous ne trouverez jamais ça chez Spinoza. Mais pourquoi? Là, on dit des choses très bêtes. En même temps, il faisait des dessins, on a des dessins, non, on a une reproduction d'un dessin de lui très curieux. La vie de Spinoza, c'est une chose obscure, où il s'était dessiné lui-même, il dessinait le soir, comme ça, quand il avait bien travaillé. Il s'était dessiné lui-même sous forme d'un révolutionnaire napolitain qui était connu à l'époque. Et il avait mis sa propre tête. Il s'était dessiné en révolutionnaire, c'est bizarre.
Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il parle jamais de révolte et révolution? Est-ce que c'est parce qu'il est modéré, Spinoza? Sans doute il est modéré, oui, c'est pas... Il doit être modéré, quoi qu'il y ait cette histoire du dessin révolutionnaire qui est bizarre. Mais même supposons qu'il soit modéré, mais à ce moment-là, même les extrémistes hésitaient à parler de révolution. Même les gauchistes de l'époque, hein, et les collégiens, là, tous ces types qui étaient contre l'Église, tous ces catholiques étaient assez, ce qu'on appellerait aujourd'hui des catholiques d'extrême-gauche, hein, c'était très curieux. C'est des milieux très bizarres. Mais, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de révolution, les gens? Attention, contrairement à ce qu'on dit, il y a une bêtise qu'on dit même dans les manuels d'histoire tout le temps, qu'il n'y a pas eu de révolution anglaise. Tout le monde sait, vous savez, qu'il y a eu parfaitement une révolution anglaise, une formidable révolution anglaise. C'est la révolution de Cromwell. Et que la révolution de Cromwell a été le cas, mais un cas là, où tout est à la limite extrêmement pur, ça a été la révolution trahie aussitôt que faite. Quand on fait semblant aujourd'hui de découvrir le problème de la révolution trahie, faut pas charrier. Tout le XVIIe siècle est plein de réflexions là-dessus. Comment est-ce qu'une révolution peut ne pas être trahie? Faut pas croire que c'est un nouveau problème de 1975 avec les droits de l'homme. Non, ou avec la découverte qu'il y a un goulag en Russie. La révolution, elle a toujours été pensée par les révolutionnaires à partir de ceci. Comment ça se fait que ce truc-là soit constamment trahi? Or, l'exemple moderne pour les contemporains de Spinoza, l'exemple récent, c'est la révolution de Cromwell, qui a été le plus fantastique traître à la révolution que lui-même Cromwell avait imposé. Et si vous prenez, là je dis là un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous faire sentir que ce problème est très très présent chez les gens, si vous prenez alors bien après ce qu'on appelle le romantisme anglais, le romantisme anglais qui est un mouvement non seulement poétique, fantastique et littéraire, mais qui est un mouvement politique intense. Tout le romantisme anglais est centré sur le thème de la révolution trahie. Comment vivre encore alors que la révolution est trahie et semble avoir comme destination d'être trahie? Et le modèle qui obsède les grands romantiques anglais, c'est le cas plus ancien, puisque du temps a passé, c'est toujours Cromwell, qui pour les révolutionnaires anglais est comme l'image à la fois fascinante et abjecte. L'image fascinante, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce type a fait? Si vous voulez, Cromwell est vécu, là je crois que j'exagère à peine, est exactement vécu à cette époque comme Staline l'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si Spinoza ne parle jamais de révolution, c'est qu'il ne parle pas de révolution. Personne n'en parle. Pas du tout parce qu'ils n'ont pas l'idée d'un équivalent dans la tête. C'est très différent. C'est, je crois, pour une toute autre raison, parce que le mot est absolument... ils excluent pas du tout des actions violentes, je crois. Pas du tout. Ils appelleront pas ça révolution, parce que la révolution, c'est Cromwell pour eux. Il y a de ça, je dis. J'exagère peut-être, je ne sais pas, mais il y a de ça. Or, au moment du traité théologico-politique, Spinoza croit encore dans les chances d'une monarchie libérale, en gros. Là, ce que vient de dire Comtesse à la fin de sa seconde intervention, c'est vrai du traité théologico-politique, à mon avis. Ça n'est plus du traité politique. Les frères de Witt ont été assassinés, il n'y a plus de compromis possible. Spinoza sait bien que... Il renonce, Spinoza là-dessus renonce à publier l'éthique. Spinoza sait que c'est foutu. Hein. Et finalement, à ce moment-là, Spinoza, semble-t-il, tendrait beaucoup plus à penser aux chances, mais sous quelle forme concrète, aux chances d'une démocratie. Et le thème de la démocratie apparaît beaucoup plus dans le traité politique que dans le traité théologico-politique qui en restait à la perspective d'une monarchie libérale. Mais une démocratie, ce serait quoi au niveau des Pays-Bas? C'est justement ce qui a été liquidé, les chances d'une démocratie, c'est ce qui a été liquidé avec l'assassinat des frères de Witt. Alors c'est pas facile. Et comme par symbole, comme on dit, Spinoza meurt quand il en est dans le traité politique au chapitre démocratie.
Alors, on ne saura pas ce qu'il aurait dit sur dans ce chapitre. Voilà, mais si vous voulez, la remarque de Comtesse me paraît tout à fait juste sur la différence Hobbes-Spinoza. Je maintiens pourtant, pour les raisons que je viens de dire, que avant cette différence, et en un sens plus profond que cette différence, Spinoza peut bien être traité ou appelé sur un point précis, disciple de Hobbes, puisque il dérive de cette révolution de Hobbes dans la philosophie politique. Troisième question, tu disais. Sûrement. T'as raison, t'as raison. T'as complètement raison. De très grande guerre, de très grande violence. Et Spinoza, il ne semble pas. Mais tu sais pourquoi Spinoza peut le dire et pas Hobbes? C'est parce que Spinoza est juif et Hobbes pas juif. Je veux dire, toutes les pages très très étranges de Spinoza sur le Christ, où il fait et où il trace le portrait d'un Christ à la lettre devenue indépendant de l'Église chrétienne, de l'Église catholique. Toute cette opération, n'est-ce pas, pouvait être menée que par un juif lui-même excommunié par les juifs. La situation de Spinoza lui permettait une chose comme ça. Hobbes, il n'aurait pas pu. Il aurait tenté ça, il était... Là, il passait en procès, hein, il passait... Alors, reste ce que tu dis de beaucoup plus important. Que la violence, en effet, la violence des textes de Hobbes et l'espèce au contraire de... Je ne dirais pas que c'est une douceur chez Spinoza, c'est pas du tout un homme, je n'ai pas l'impression que c'était un homme doux, mais l'espèce de... comment dire... de, ouais, qu'est-ce que c'est ce contraire? C'est pas que ça manque de violence, c'est que c'est une violence très, très froide, très... C'est une violence, oui, je ne pourrais pas la définir, cette violence de Spinoza, enfin, pas tout de suite, pas maintenant. Mais tu as raison sur la différence complète. Être, si on reprend l'idée de Nietzsche que les philosophies expriment comme des tempéraments ou des instincts du philosophe, hein, qu'est-ce que c'est qu'un instinct de philosophe, hein, c'est évident qu'ils n'ont pas le même tempérament, hein, c'est Spinoza, ça oui, oui, oui. Mais arriver à définir quel tempérament était celui de Spinoza, c'est un peu notre objet avec l'histoire des modes d'existence. Ouais. En tout cas, d'accord sur cette troisième remarque, c'est absolument pas là. C'est pas le même style, c'est-à-dire c'est un autre monde, oui. C'est vrai ça, c'est vrai. Ouais. Oui, ça complètement, mais ça nous appartient. Je veux dire, c'est... De son appel d'autorité politique,
n'est pas amené justement à fabriquer à un certain moment de sa pensée ontologique un plan d'organisation de l'État, donc de se référer d'une certaine façon à l'État ou au modèle d'État. Ah, je te suivrais moins, moi je dirais un peu autre chose. Qu'il y a un rapport fondamental entre l'ontologie et un certain style ou un certain type de politique, ça oui, on est d'accord. En quoi consiste ce rapport, on ne le sait pas encore, on le rencontrera cette année. Je suppose que ce rapport est fondamental. Mais en quoi consiste une philosophie politique qui se place dans une perspective ontologique ? Est-ce qu'elle se définit par le problème de l'État ? Je dirais pas spécialement, puisque les autres aussi, une philosophie de l'un passera aussi par le problème de l'État. La vraie différence, elle m'apparaîtrait ailleurs, entre les ontologies pures et les philosophies de l'un. J'ai essayé de le montrer toutes les autres fois d'un point de vue théorique uniquement. Les philosophies de l'un sont des philosophies qui impliquent fondamentalement une hiérarchie des existants. D'où le principe de compétence, d'où le principe des émanations, le sage pratiquement, le sage est plus compétent que le non-sage. Du point de vue des émanations, de l'un émane l'être, de l'être émane autre chose, etc. Les hiérarchies des néo-platoniciens. Donc, le problème de l'État, ils le rencontreront quand ils le rencontrent au niveau de ce problème, l'institution d'une hiérarchie politique. Il y a, pensez à la tradition néo-platonicienne, le mot hiérarchie intervient tout le temps. Il y a une hiérarchie céleste, il y a une hiérarchie terrestre, et tout ce que les néo-platoniciens appellent les hypostases, sont précisément les termes dans une hiérarchie, dans l'instauration d'une hiérarchie. Ce qui me paraît frappant dans une ontologie pure, c'est à quel point elle répudie les hiérarchies. Et en effet, s'il n'y a pas d'un supérieur à l'être, si l'être se dit de tout ce qui est et se dit de tout ce qui est en un seul et même sens. C'est ça, au point où nous en sommes, c'est ça qui m'a paru être la proposition ontologique clé. Il n'y a pas d'unité supérieure à l'être. Et dès lors, l'être se dit de tout ce dont il se dit, c'est-à-dire se dit de tout ce qui est, se dit de tout étant, en un seul et même sens. C'est le monde de l'immanence. Ce monde de l'immanence ontologique est un monde essentiellement anti-hiérarchique. Au point que peut-être, bien sûr, il faut tout corriger, chaque fois que je dis une phrase, j'ai envie de la corriger, bien sûr, ces philosophes de l'ontologie nous diront, mais évidemment, il faut une hiérarchie pratique. L'ontologie n'aboutit pas à des formules qui seraient celles du nihilisme ou du non-être, du type « tout se vaut ». Et pourtant, à certains égards, tout se vaut du point de vue d'une ontologie, c'est-à-dire du point de vue de l'être. Tout étant effectue son être autant qu'il est en lui, un point c'est tout. C'est la pensée anti-hiérarchique absolue. C'est une espèce, à la limite, c'est une espèce d'anarchie. Il y a une anarchie des étants dans l'être. Ça, si vous voulez, c'est l'intuition de base de l'ontologie. Tous les êtres se valent. C'est une espèce de cri, ben oui, après tout. La pierre, l'insensé, le raisonnable, l'animal, d'un certain point de vue, du point de vue de l'être, ils se valent. Chacun est autant qu'il est en lui. Et l'être se dit en un seul et même sens de la pierre, de l'homme, du fou, du raisonnable, etc. C'est une très belle idée, on ne voit pas ce qui leur fait dire ça, mais c'est une très belle idée. C'est une espèce d'idée alors, qui elle-même implique sa cruauté, sa sauvagerie, c'est une espèce de monde très sauvage. Bon, alors, là-dessus, évidemment, ils rencontrent le problème politique. Mais
la manière dont ils aborderont le problème politique dépend précisément de cette espèce d'intuition, de l'être égal, de l'être anti-hiérarchique. Et la manière dont ils pensent l'État, ce n'est plus le rapport de quelqu'un qui commande et d'autres qui obéissent. Et là, alors, en effet, je retrouve la remarque précédente de Comtesse. Chez Hobbes, le rapport politique, c'est le rapport de quelqu'un qui commande et de quelqu'un qui obéit. Ça, le rapport politique pur. Du point de vue d'une ontologie, c'est pas ça. Alors là, Spinoza serait pas du tout à la manière de Hobbes. Le problème d'une ontologie, c'est dès lors, en fonction de ceci, l'être se dit de tout ce qui est, c'est comment être libre, c'est-à-dire comment effectuer sa puissance dans les meilleures conditions. Et l'État, bien plus l'État civil, c'est-à-dire la société tout entière, est pensé comme ceci, l'ensemble des conditions sous lesquelles l'homme peut effectuer sa puissance de la meilleure façon. Donc ce n'est pas du tout un rapport d'obéissance. L'obéissance, elle viendra en plus, ils ne sont pas idiots, ils savent bien que là-dedans, il y a de l'obéissance. Mais l'obéissance devra être justifiée par ceci, qu'elle s'inscrit dans un système où la société ne peut signifier qu'une chose, le meilleur moyen pour l'homme d'effectuer sa puissance. L'obéissance est seconde par rapport à cette exigence-là. Tandis que dans une philosophie de l'un, l'obéissance est évidemment première. Elle est évidemment première. C'est-à-dire le rapport politique, c'est le rapport d'obéissance. Ce n'est pas le rapport de l'effectuation de puissance. D'accord ? Vous... C'est pas évident. Ça dépend ce que tu as dans la tête. Au sens politique du mot aristocratie, aristocratie désigne un certain type de régime. Un certain régime où un groupe d'êtres qui se nomment eux-mêmes aristocrates commande aux autres. Donc, type de régime qu'on peut distinguer de la monarchie, qu'on peut distinguer de la démocratie, etc. Bien, ce régime, il a existé. Il y a eu des aristocraties dans les cités grecques, dans certaines cités grecques. Il y a eu des aristocraties dans certaines cités italiennes. Bon, ça existe. C'est un régime dit aristocratique. Si tu penses à d'autres sens du mot aristocrate ou d'autres emplois du terme aristocrate, par exemple celui que Nietzsche fait dans certains textes concernant aristocratie, aristocratie veut dire alors à ce moment-là quelque chose de complètement différent. Je voudrais pas. C'est ça que tu avais dans la tête. Oui. Oui, mais ça, j'ose même pas aborder la question Nietzsche, parce que politiquement, ça devient tellement compliqué, tellement différent, et de Hobbes, et de Spinoza, et de... Quoi ? Oui, 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 le problème d'une ontologie à ce niveau, et on le retrouvera en effet chez Nietzsche à ce niveau, c'est que, qu'est-ce qui est égal ? Ce qui est égal, c'est très simple, c'est que chaque être, quel qu'il soit, de toute manière, effectue tout ce qu'il peut de sa puissance. Ça rend tous les êtres égaux. Les puissances ne sont pas égales. La puissance, par exemple, de la pierre et la puissance d'un animal, c'est pas la même. Mais chacun s'efforce de persévérer dans son être, c'est-à-dire effectue sa puissance. Donc de ce point de vue, tout se vaut, tous les êtres se valent. Ils sont tous dans l'être. Et l'être est égal. L'être se dit également de tout ce qui est. Alors tout ce qui est n'est pas égal, c'est-à-dire n'a pas même puissance. Mais l'être qui se dit de tout ce qui est, lui, il est égal.
comprenez. Bon, là-dessus, ça n'empêche pas qu'il y a des différences entre les êtres. Alors, du point de vue des différences entre les êtres, peut se rétablir toute une idée de l'aristocratie. Ça, oui. À savoir, il y en a de meilleurs. Il y en a de meilleurs. C'est un peu ce qu'on avait vu. Je veux dire, toute la dernière fois, si j'essaie de résumer, comprenez où on en était la dernière fois, avant que j'aborde un nouveau thème. La dernière fois, on posait un problème très précis, puisque notre but de toute l'année, c'est l'ontologie. Donc, il faudrait ne pas le perdre de vue. Le problème que j'ai traité finalement jusqu'à maintenant, c'est ceci. Quel est le statut, non pas de l'être, mais de l'étant ? C'est-à-dire, quel est le statut de ce qui est du point de vue d'une ontologie ? Quel est le statut de l'étant ou de l'existant du point de vue d'une ontologie ? Et la dernière fois, j'ai essayé de dire quel était le statut de l'existant chez Spinoza, ce statut de l'existant constituant le corrélat de l'ontologie, à savoir constituant une éthique. Vous voyez, l'éthique, c'est le statut de l'existant ou de l'étant. L'ontologie, c'est le statut de l'être. Or, l'être se dit de l'étant ou de l'existant. Eh bien, et ma réponse était double. Le statut de l'étant dans l'ontologie de Spinoza, il est double. D'une part, distinction quantitative entre les étants. De quel point de vue ? Quelle quantité ? Quantité de puissance. Les étants sont chacun des degrés de puissance. Donc, distinction quantitative entre les étants, du point de vue de la puissance. D'autre part, et en même temps, distinction qualitative entre les modes d'existence. De quel point de vue ? Du point de vue des affects qui effectuent la puissance. Et ce que j'avais essayé de montrer, c'était que ces deux conceptions, celle de la conception quantitative, celle de la distinction quantitative entre existants, et l'autre point de vue, celui de l'opposition qualitative entre modes d'existence, loin de se contredire, s'imbriquaient l'un dans l'autre tout le temps. C'est ça, je crois, si vous n'avez pas compris ça, c'est ennuyeux. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, ça finissait, si vous voulez, cette première rubrique. Finalement, dans ce premier trimestre, on aura fait une première grande rubrique. L'ontologie, qu'est-ce que ça veut dire l'ontologie et comment ça se distingue de philosophies qui ne sont pas des ontologies. Deuxième grande rubrique, quel est le statut de l'étant du point de vue d'une ontologie pure comme celle de Spinoza. Voilà. Si vous êtes prêts, je passe à une troisième rubrique. Ben, si, vous le comprenez parfaitement, d'après ce que vous venez de dire, j'espère en tout cas, car vous dites,
Du point de vue d'une pensée de la hiérarchie, ce qui est premier, c'est la différence. Et on va de la différence à l'identité. J'ajoute juste, c'est très juste ce que vous dites, mais j'ajoute juste, de quel type de différence s'agit-il ? Réponse, c'est finalement toujours une différence entre l'être et quelque chose de supérieur à l'être. Puisque ça va être une différence dans le jugement, la hiérarchie. Elle implique une différence dans le jugement. Donc, le jugement se fait au nom d'une supériorité de l'un sur l'être. On peut juger de l'être parce qu'il y a précisément une instance supérieure à l'être. Donc, la hiérarchie est inscrite dès cette différence, puisque la hiérarchie, son fondement même, c'est la transcendance de l'un sur l'être. D'accord ? Et ce que vous appelez différence, c'est exactement cette transcendance de l'un sur l'être. Quand vous invoquez Platon, la différence n'est première chez Platon qu'en un sens très précis, à savoir l'un est plus que l'être. Donc c'est une différence hiérarchique. Quand vous dites, en revanche, l'ontologie, elle va de l'identité, ce serait pas exactement ça, en tout cas, elle va de l'être aux étants. C'est-à-dire, elle va, mettons, du même ou de l'être, n'est-ce pas, à ce qui est. Et seul ce qui est diffère. Elle va donc de l'être aux différences. Ce n'est pas une différence hiérarchique. Tous les êtres sont également dans l'être. Au Moyen Âge, on verra tout ça, on reverra tout ça de tout près, de plus près. Il y a une école très très importante. Vous savez, ces écoles du Moyen Âge, on ne peut pas les liquider en disant que c'était la grande époque de la scolastique. Hein, parce que, et il y a une école qui a reçu le nom de École de Chartres. Et l'école de Chartres, ils dépendent assez, ils sont très proches de Duns Scott, dont je vous ai un tout petit peu parlé. Et ils insistent énormément sur le terme latin « égalité », l'être égal. Ils disent tout le temps « l'être, il est fondamentalement égal ». Ça ne veut pas dire que les existants ou les étants soient égaux, non. Mais l'être est égal pour tous. Ce qui signifie d'une certaine manière, eh ben oui, tous les étants sont dans l'être. C'est là que, ensuite, quelle que soit la différence à laquelle vous atteindrez, puisqu'il y a une différence, il y a une non-différence de l'être, et il y a des différences entre les étants, ces différences ne seront pas conçues de manière hiérarchique. Ou alors, ce sera conçu de manière hiérarchique très, très secondairement, très pour rattraper, pour concilier des choses. Mais dans l'intuition première, la différence n'est pas hiérarchique. Alors que dans les philosophies de l'un, la différence, elle est fondamentalement hiérarchique. Je dirais beaucoup plus, la différence dans l'ontologie, la différence entre les étants, elle est quantitative et qualitative à la fois. Différence quantitative des puissances, différence qualitative des modes d'existence. Mais elle n'est pas hiérarchique. Alors bien sûr, ils parlent souvent comme s'il y avait une hiérarchie, ils diront très bien, ils diront évidemment, l'homme raisonnable vaut mieux que le méchant. Mais il vaut mieux en quel sens et pourquoi ? Ce n'est pas pour des raisons de hiérarchie. C'est pour des raisons de puissance et d'effectuation de puissance. Enfin, on verra tout ça, je crois, progressivement. Alors, justement, progressivement, je voudrais passer à une troisième rubrique qui s'enchaîne avec la seconde. Et qui reviendrait à dire, bon, eh bien, si l'éthique, j'ai défini comme deux coordonnées l'éthique. La distinction quantitative du point de vue de la puissance, l'opposition qualitative du point de vue des modes d'existence. Et j'ai essayé de montrer la dernière fois comment on passait perpétuellement de l'un à l'autre. Bon. Je voudrais commencer un troisième titre qui est de ce même point de vue de l'éthique. Alors, quelle est la situation et comment se pose le problème du mal ? Car, encore une fois, on a vu que ce problème se posait d'une manière aiguë. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que j'ai commenté, je ne vais pas revenir sur ce point, je le rappelle juste, en quel sens la philosophie classique de tout temps, vraiment de tout temps, avait érigé cette proposition paradoxe, en sachant bien que c'était un paradoxe, à savoir le mal n'est rien. Mais justement, le mal n'est rien. Je vous disais,
comprenez qu'on peut lire ça comme ça et se dire, bon, ben c'est une manière de parler, oui. Mais bizarrement, ce n'est pas une manière de parler, c'est au moins deux manières de parler possibles et qui ne se concilient pas du tout. Car lorsque je dis le mal n'est rien, vous savez, je ne reviens pas sur le commentaire que j'ai fait de la formule, mais lorsque je dis ça, le mal c'est rien, le mal n'est rien, et ben, je peux vouloir dire une première chose, je peux vouloir dire le mal n'est rien parce que tout est bien. Si je dis tout est bien, comment ça s'écrit tout est bien? Ça s'écrit T-O-U-T-S-T, grand B-I-E-N. Si vous l'écrivez comme ça, tout est bien, grand B, vous pouvez commenter la formule mot à mot. Ça veut dire, tout est, ça veut dire, il y a l'être, bien, l'un est supérieur à l'être. Et la supériorité de l'un sur l'être fait que l'être se retourne vers l'un comme étant le bien. En d'autres termes, le mal n'est rien veut dire, forcément le mal n'est rien, puisque c'est le bien supérieur à l'être qui est cause de l'être. En d'autres termes, le bien fait être. Le bien comme raison d'être. Le bien, c'est l'un comme raison d'être. L'un est supérieur à l'être. Tout est bien, ça veut dire... C'est le bien qui fait être ce qui est. C'est exactement, je suis en train de commenter Platon. Donc ça marche. Si tu m'avais dit, ça n'est pas platonicien, j'aurais été inquiet parce que... Mais quand vous voyez le mot étant, est-ce que vous lui donnez le sens à la figure? Est-ce que vous avez défini l'étant chez dans... Oui, oui, j'ai très bien défini. Très bien. Très bien défini. Brièvement, mais très bien. J'ai dit, c'est pas l'être, c'est ce qui est. Non, alors c'était pas en un sens Heidegger. Mais Heidegger, il a jamais dit autre chose. Hein. Donc, d'accord. Attends un peu. Attends. Vous comprenez, donc, le mal n'est rien, ça veut dire seul le bien fait être et Corella fait agir. C'était l'argument de Platon, on l'a vu, le méchant n'est pas méchant volontairement, puisque ce que le méchant veut, c'est le bien. C'est un bien quelconque. Bon. Je peux donc dire, le mal n'est rien. Au sens de seul le bien fait être et fait agir, donc le mal n'est rien. Dans une ontologie pure, où il n'y a pas d'un supérieur à l'être, je dis le mal n'est rien. Finalement, il n'y a pas de mal, il y a de l'être. D'accord. Mais ça m'engage à quelque chose de tout à fait nouveau. Si le mal n'est rien, c'est parce que le bien n'est rien non plus. Vous voyez, c'est donc pour des raisons tout à fait opposées que je peux dire dans les deux cas, le mal n'est rien. Dans un cas, je dis le mal n'est rien parce que seul le bien fait être et fait agir. Dans l'autre cas, je dis le mal n'est rien parce que le bien non plus, parce qu'il n'y a que de l'être. Or, on avait vu que là aussi, cette négation du bien comme du mal n'empêchait pas Spinoza de faire une éthique. Comment est-ce que je peux faire une éthique si il n'y a ni bien ni mal? Vous voulez, à partir de la même formule, à la même époque, si vous prenez la formule « le mal n'est rien », signé Leibniz et signé Spinoza, ils disent, tous les deux emploient la formule « le mal n'est rien ». Mais elle a deux sens absolument opposés. Chez Leibniz, qui lui dérive de Platon, et chez Spinoza, qui fait une ontologie pure. Alors ça se complique. D'où mon problème. Quel est le statut du mal du point de vue de l'éthique, c'est-à-dire de tout ce statut des étants, des existants? Surtout qu'il va y avoir un problème très important, là, comme pratique, on va entrer vraiment dans les points où l'éthique est vraiment une pratique.
Or, je dis à cet égard qu'on dispose, et je vous en avais prévenu, que je voudrais bien que vous le lisiez ou relisiez, d'un texte de Spinoza exceptionnel. Ce texte de Spinoza exceptionnel, c'est un échange de 8 lettres, 4 pour chacun. 4 pour chacun, 4-4. C'est pas très long. Un échange de 8 lettres avec un jeune homme qui s'appelle Blienberg. Un jeune homme des Pays-Bas, un jeune homme de là-bas, qui écrit à Spinoza. Spinoza ne le connaît pas. Tout est important. Parce qu'il y a des mystères dans cette correspondance immédiatement. L'objet de cette correspondance est uniquement le mal. Où Blienberg, le jeune Blienberg, dit à Spinoza, « Eh ben, expliquez-vous un peu sur le mal. » Chose très curieuse, les commentateurs, là aussi, c'est lisez le texte, parce que c'est vous qui déciderez. Beaucoup de commentateurs, par exemple les éditeurs de la Pléiade, décident en note, toujours facile, que Blienberg est un idiot. Un idiot, qu'il est idiot, stupide et confus. Moi, je lis ces lettres, j'ai pas du tout cette impression. J'ai l'impression que Blienberg est un drôle de type, mais pas du tout stupide ni confus. D'abord, une chose me donne d'avance raison. 4 lettres pour Spinoza, c'est beaucoup. Spinoza, il n'aime pas beaucoup écrire des lettres, hein, ou alors il l'écrit à des amis sûrs. Il n'aime surtout pas écrire à des étrangers. Hein. Il se dit toujours, qu'est-ce qui va me tomber dessus, je sais pas. Donc, il écrit très peu. D'autre part, Spinoza déteste l'insolence. Hein. Il n'aime pas qu'on soit insolent, qu'on soit mal élevé. Il n'aime pas ça, c'est son affaire. Hein. Or, dès sa seconde lettre, Blienberg commence à ricaner et à faire des sommations, à dire à Spinoza, expliquez-vous, je vous somme de, alors quoi, à inventer des conséquences grotesques du spinozisme, enfin, assez désagréable, bref, un chieur, quoi, Blienberg, mais pas du tout un idiot, hein. Agaçant, il est très très agaçant, il est très agaçant. Or, je remarque aussi que Spinoza n'aime pas du tout les gens agaçants. Les gens qui l'embêtent et à qui il faut répondre, il n'a pas le temps d'abord, c'est tout simple, il n'a pas le temps, il n'aime pas ça. Et Spinoza le remarque dès la seconde lettre, dès sa seconde lettre à lui, Spinoza devient très sec, hein, et lui dit, ça va, hein, Blienberg, qu'est-ce que tu crois, hein, tu me lâches, tu vas me lâcher, oui, mais là où je dis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il continue la correspondance. Or, à ma connaissance, ça ne s'est jamais vu chez Spinoza. Il a reçu beaucoup de lettres d'injures, on a des lettres d'injures contre Spinoza, il répond pas, hein, il répond pas. Les lettres désagréables, il répond pas. Mais, qu'est-ce qui se passe? Si le type était idiot, Spinoza répondrait pas. Et pourquoi est-ce que Spinoza supporte à un ton qu'il aime pas du tout, lui, Spinoza? Pourquoi est-ce qu'il supporte? Pourquoi est-ce qu'il consent à répondre tout ça? Hein, j'ai bien une réponse, c'est pour vous donner une espèce de sentiment de l'importance de ce texte. J'ai bien une réponse, c'est que Blienberg est le seul qui ait pris Spinoza sur un problème précis où Spinoza ne s'était jamais expliqué ailleurs, à savoir le problème du mal, et que ce sujet fascine Spinoza. Dès lors, il accepte tout ce qu'il y a de désagréable chez Blienberg, tout ce qu'il y a de genre petit con, là il accepte. Il répondra, parce qu'il veut pour lui-même mettre au point cette histoire du mal. Et il va répondre, et il passera par-dessus les insolences de Blienberg, parce qu'il sent que Blienberg est quand même très intelligent. Et en effet, Blienberg ne le lâche pas. Et le coup prodigieux de Blienberg, pour lui faire un hommage, malgré tout, c'est que Blienberg force Spinoza à dire des choses que lui, Spinoza, n'aurait jamais dites. Hein. Et des choses très très imprudentes, très imprudentes. On le verra dans le texte, des choses très très curieuses, des déclarations, des espèces de paradoxes sur le mal, qu'on s'étonne vraiment de trouver sous la plume de Spinoza. Or ça, c'est grâce à Blienberg. Or, mon interprétation, ce serait uniquement que Spinoza accepte cette correspondance parce que c'est un cas unique où il voit l'occasion de s'expliquer sur ce problème du mal. Ce qui confirmerait cela, c'est que comment est-ce que Spinoza arrête la correspondance? Tout d'un coup, Blienberg perd les pédales. D'abord, il fait une imprudence, il va voir Spinoza.
Alors qu'on allait voir Spinoza, Spinoza, il supportait déjà pas bien les lettres, mais les visites. Donc du coup, là, Spinoza, il voit un petit moment Blienberg, et puis ça va, salut, quoi. Et là-dessus, Blienberg écrit à Spinoza et rompt le pacte implicite qu'il y avait comme entre eux. C'est-à-dire, il se met à lui poser des questions dans tous les sens, sur l'éthique. Il sort du problème du mal. Et là, alors, Spinoza lui renvoie une lettre immédiate. Non, non, au contraire, il tarde longtemps à répondre à cette dernière lettre de Blienberg, et une lettre d'une grande, grande sécheresse en disant non, 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 hein, pas d'autres questions. Tu avais droit à une question, tu sors de la question, fini. Hein. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te lire, lâche-moi. Là. Or, c'est très curieux, ça. Il a accepté tout, Spinoza, je veux dire, il a accepté d'être traité d'une manière dont il n'aime pas être traité, le temps des 8 lettres, le temps de s'expliquer sur ce problème du mal. Bon, je dis, ce problème du mal est bien au cœur de l'éthique. Et pourtant, il n'est pas traité dans l'éthique. C'est dans cette correspondance avec Blienberg qu'il est traité explicitement. Je crois que c'est ce problème qui peut maintenant nous faire faire un grand bond. Quant à notre question qui reste, je dis ça pour que vous vous rappeliez, qui reste fondamentalement, quel est le rapport de l'existant et de l'être? Quel est le rapport de l'étant et de l'être? Or, c'est pour ça que là, je voudrais comme repartir à partir de ce problème du mal très doucement. Et je dis Blienberg dès sa première lettre. Blienberg fonce et dit à Spinoza, eh ben, expliquez-moi ce que veut dire Dieu a défendu à Adam de manger la pomme, le fruit, et pourtant Adam l'a fait. C'est-à-dire Dieu a interdit quelque chose, l'homme, l'existant, a passé outre à cette interdiction. Et bien, comment ça se passe dans votre système, à vous, là, dans votre ontologie? Et déjà, à ce moment, Blienberg connaît très mal Spinoza, il ne connaît pas l'éthique. Hein. Forcément qu'il n'était pas un texte public. Il ne connaît pas, donc il ne s'adresse même pas à Spinoza en tant que Spinoza, il s'adresse beaucoup plus à Spinoza. C'est une manière, on dirait aujourd'hui autre chose, mais ça reviendra au même. Hein. On prendra un autre exemple. Bien. Et ce qui est important, c'est la réponse de Spinoza, dès sa première lettre. Ça, c'est vraiment leur attaque. Spinoza répond en quelque sorte, d'accord. Il répond déjà à Blienberg à peu près, oh oui, ton, il ne me plaît pas beaucoup, mais d'accord, pour ce problème, je vais t'expliquer un peu. Et il lui répond une chose vraiment très, très curieuse, alors, très curieuse. Au point qu'il faut lire plusieurs fois le texte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et je le lis, le texte. L'interdiction du fruit de l'arbre, là c'est Spinoza qui répond donc à Blienberg, l'interdiction du fruit de l'arbre consistait seulement dans la révélation faite par Dieu à Adam. L'interdiction du fruit de l'arbre consistait seulement dans la révélation faite par Dieu à Adam des conséquences mortelles qu'aurait l'ingestion de ce fruit. Point et virgule. C'est ainsi que nous savons par lumière naturelle qu'un poison donne la mort. Lire un texte comme ça, si je numérote les paradoxes de la correspondance avec Blienberg, je dis ça commence déjà par un paradoxe très très curieux. Puisque Spinoza répond essentiellement, voilà, vous parlez au nom. En fait, lorsque vous dites Dieu a défendu à Adam de manger du fruit, vous énoncez pas un fait, vous donnez déjà une interprétation. Il se trouve que cette interprétation, c'est celle de l'Ancien Testament. C'est une interprétation. C'est pas un fait. Vous racontez une histoire. L'histoire même que raconte l'Ancien Testament. Et cette histoire, elle implique
un certain code, on dirait aujourd'hui. Quel est le code? C'est le système du jugement. Vous traduisez un fait, il y a bien un fait. Spinoza va essayer de le découvrir, le fait. Mais quand vous racontez Dieu a interdit quelque chose à Adam et Adam l'a quand même fait, c'est une histoire, oui, c'est bien, c'est intéressant. C'est une histoire qui a son code et le code, c'est le système du jugement. Pourquoi c'est le système du jugement? Parce que ça implique un premier jugement, jugement prohibitif de Dieu. Tu ne feras pas cela. Tu ne feras pas cela. Premier jugement de Dieu. En effet, il n'y a rien de fait encore. C'est du domaine du jugement. Il n'y a pas de fait. Adam, il n'a encore rien fait. Et Dieu lui dit, tu ne mangeras pas du fruit. C'est un jugement divin. Ne mange pas du fruit. C'est un impératif divin. C'est un jugement. Deuxième chose. Deuxième jugement. Adam juge qu'il est bon pour lui de manger du fruit. C'est le fameux faux jugement. Troisièmement, jugement de sanction. Dieu condamne Adam. Et la sanction, c'est qu'il est chassé du paradis. Là-dedans, à tous les étages, à toutes les étapes, quelqu'un a jugé. C'est-à-dire, on a substitué les jugements aux faits. Voilà ce qu'est en train de nous dire Spinoza. Vous avez substitué les jugements aux faits. La philosophie du jugement, pour Spinoza, c'est la catastrophe. En effet, encore une fois, le jugement applique le primat de l'un sur l'être. Juger l'être, ça ne peut se faire qu'au nom de quelque chose qui est supérieur à l'être. Et toutes les philosophies du jugement, je crois, s'opposeront précisément à cet égard à une ontologie. Bien. Voyez, Spinoza, il dit d'accord. Bon, tout ça, on peut toujours me raconter cette histoire, mais cette histoire, elle appartient entièrement au système du jugement. Si j'essaie en revanche de saisir un fait là-dedans, où est le fait? Ça n'implique pas de jugement. Vous supprimez les jugements. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le fait suivant. Adam mange d'un fruit et il perd de la perfection. C'est-à-dire de la puissance. Voilà le fait. Voilà le fait supposé. C'est une très bonne méthode, ça, chercher le fait. Adam mange le fruit et perd, et par là même perd, de sa perfection, c'est-à-dire de sa puissance. Remarquez que dans le fait tel que je l'énonce actuellement, je n'ai pas retenu « Dieu avait interdit ». Qui était un jugement. On va voir si je peux l'intégrer dans le fait, ça, le pseudo interdit de Dieu. Mais on en reste là. On cherche toujours à creuser ce fait. Dieu a mangé du fruit et Adam. Adam a mangé du fruit et voilà, il a perdu de sa perfection, c'est-à-dire de sa puissance. Spinoza, il n'y va pas vraiment, il n'y va pas de main morte. Hein. C'est ainsi que nous savons par la lumière naturelle qu'un poison donne la mort. En d'autres termes, il dit explicitement, la pomme, elle a agi sur Adam comme un poison. Adam, il n'a pas du tout fait quelque chose de défendu. Adam, il s'est empoisonné. Ça change tout. Je croyais qu'il avait fait quelque chose de défendu, mais pas du tout. Il a eu quoi? Alors là, déjà, on va faire comme un bond en avant pour plus tard, mais il faut aller vraiment lentement.
qu'est-ce qui lui est arrivé à Adam, juste? Perdre de sa perfection, c'est-à-dire de sa puissance, c'est quoi? Vous voyez, ce n'est pas une sanction. La sanction, ça implique le jugement. Ce n'est pas Dieu qui a puni Adam. Ça arrive tout le temps dans la nature, ça, ces trucs-là, une bête qui mange quelque chose qui n'est pas bonne pour elle. On dit après que la bête, elle est morte. C'est ainsi que nous savons, etc., qu'un poison donne la mort. On dit, tiens, oh, elle est morte. Là, ce n'est pas un jugement, c'est l'énoncé d'un fait. Elle est morte, ah, elle ne bouge plus, quoi. Ou bien elle est malade. Elle est malade. Adam a mangé quelque chose qui le rendait malade. La maladie, c'est la diminution de puissance. Qu'est-ce que c'est être malade? C'est perdre la puissance. Bon, quelle différence il y a entre santé et maladie? Là, santé, on commence à tenir un problème. On commence à tenir un problème, mais est-ce que ne va pas appartenir à l'éthique et à l'ontologie de faire une espèce de conversion des valeurs du bien et du mal en santé-maladie? Est-ce que l'éthique ne va pas être fondamentalement une médecine, autre chose qu'une médecine, et quel genre de médecine? Bon, je reviens, pour ça, allons très très lentement. Il a mangé sa pomme, Adam, hein, et il est malade. Il s'est empoisonné. Donc il tombe malade. Tomber malade, ça veut dire devenir moins puissant. C'est bien connu, quand je suis malade, je ne peux plus faire certaines choses que je pouvais faire avant. Yeah. En fait, ça arrive tout le temps, je dis, des bêtes, en effet, mangent juste ce qu'il leur faut pas. Les chats, par exemple, dans la nature, il leur arrive de manger là, des choses qui sont des poisons pour eux. Les rats, ils ne cessent pas de manger. Non, les rats, ils sont tellement intelligents, contrairement aux chats, qu'eux, ils évitent. Mais même, parfois, même un rat y passe, c'est-à-dire, bon. Et nous, tout le temps. En d'autres termes, Spinoza est en train de nous dire, de nous glisser à nous dans l'oreille, et à l'oreille de Blienberg, mais Adam, il a eu qu'un tort, c'est que manger la pomme, il n'en était pas capable. Il n'était pas capable, ça veut dire quoi? Ben, je ne suis pas non plus capable d'avaler de l'arsenic. La bêtise d'Adam, c'est de ne pas avoir compris qu'il n'était pas capable de faire ça. Ça se complique alors. C'est ainsi que nous savons que nous ne savons pas qu'un poison donne la mort. Alors, il est temps que je rattrape dans le fait. L'interdit, le pseudo-interdit de Dieu, le texte le dit formellement, Dieu a bien fait, mais pas du tout une défense à Adam, qui serait de l'ordre du jugement. Il lui a fait une révélation. Là, admirez, tous les mots sont importants, une révélation, c'est pas un jugement. Une défense et un jugement. Ne fais pas ceci. Une révélation. Il lui a fait savoir, par quel moyen, peu importe, la Spinoza, il n'y avait pas. Il lui a fait savoir, il lui a fait savoir quoi? Ben, Dieu, dans son immense bonté, d'accord, ça, on peut garder ce bout, a fait savoir à Adam que le fruit agirait sur lui comme un poison. Seulement, Adam n'a rien compris. Ayant l'entendement faible, Adam étant vraiment pas malin, il n'a rien compris. Dieu lui fait savoir que ce fruit est un poison. C'est gentil, parce que sinon... Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un fruit est un poison? Je me promène dans la forêt, je vois des fruits admirables. Comment je peux savoir que c'est un poison? De trois manières. Je le mange et je m'écroule. C'est la méthode Adam. C'est pas la méthode. Bon, je suis malade. Première manière. Deuxième manière, j'observe. J'observe. J'ai mon chat dans ma poche, je lui fais manger un bout du fruit. Il est pris de convulsions et crève. Bon. Je peux conclure par expérience que ce fruit est un poison. Hein? J'aurais expérimenté. Ça implique une certaine sagesse.
seconde méthode possible. C'est la méthode expérimentale. Troisième méthode, méthode divine. Dieu m'épargne l'expérience et me fait savoir que c'est un poison. Il me révèle que c'est un poison. Par quoi ? Par... Lisons les livres des prophètes par un signe que j'interprète. Les prophètes procèdent comme ça. Et Spinoza a une admirable et très belle théorie du prophétisme et des signes prophétiques dans le traité théologico-politique. Mais on conçoit que Dieu puisse faire en effet une révélation à Adam. Il en a bien fait à Moïse, il en a bien fait aux prophètes. Il peut faire une révélation à Adam pour lui dire « ce fruit est un poison ». Adam ne comprend rien. Du coup, il se dit, là, il est vraiment comme ça, il se dit, ah bon, qu'est-ce qu'il me dit là, Dieu ? Et, oui, tout à fait, comme rentemplant, il dit, ah, qu'est-ce qu'il me dit, mon Dieu ? Et il comprend que Dieu lui défend quelque chose. Mais Dieu lui défend rien du tout. Dieu met une affiche, par gentillesse, comme ça, il met une affiche sur le fruit, poison. L'autre se dit, oh là là, Dieu m'interdit de manger du fruit. Pas du tout, Dieu s'en fout. Complètement. Ça lui est égal, Dieu. C'est égal. Il a prévenu Adam. Ça lui est complètement égal. Et Adam se dit, Dieu me le défend. Qu'est-ce qui doit être bon, ce fruit ? Il doit être bon. Non ? Il mange le fruit. Donc, le fait, c'est quoi ? Encore une fois, le fait, c'est ceci. Dieu, voilà, notre réduction au fait. On a converti le système du jugement en un simple fait, complexe mais unique. Dieu avait révélé que le fruit était un poison. Adam a quand même mangé le fruit et il est tombé malade. Bien. Il est tombé malade. Est-ce que ça ne doit pas nous ouvrir là, les horizons ? Et je commence... Vous acceptez juste ce point de départ de Spinoza et je voudrais déjà le commenter au maximum. Hein. Parce que si on tient ça, ça a l'air un peu d'une proposition d'humour. Quand vous lirez le texte, à vous là aussi de mettre vos accents. Mais je crois que Spinoza a une jubilation intense en extrayant ce prétendu fait de l'histoire du jugement. Il ne peut pas ne pas savoir lui-même ce qu'il est en train d'agiter. Et il ne peut pas ne pas penser, par exemple, à l'état dans lequel les prêtres sont, en lisant les prêtres de l'époque, maintenant, ils sont habitués. Mais quel état les prêtres pouvaient être en lisant des trucs comme ça, quoi. Ah oui, Spinoza, vous savez, ce qu'il raconte sur Adam, épatant. Je crois que c'est un texte de grand humour philosophique. Hein. C'est un grand texte, oui, d'humour juif, d'humour positiviste et d'humour tout court. Quoi. Oui, en effet, puisqu'il s'oppose à toute la tradition Adam l'homme parfait. Pour lui, c'est très important qu'Adam, il ne peut pas être un homme parfait. Le peu de perfection qu'il a, il a perdu le premier coup, il n'avait pas grande perfection. Alors, oui. Adam, pour tout mélanger, elle serait kierkegaardienne. Adam aurait l'angoisse devant cet interdit dont il ne sait même pas quel est le sens. Mais encore une fois, je rappelle que pour Spinoza, et c'est de Spinoza qu'on s'occupe, il n'y a pas d'interdit, il n'y a absolument pas d'interdit, il n'y a absolument pas d'histoire, il n'y a absolument pas d'angoisse d'Adam. Faites qu'Adam, là, s'empoisonne. Et c'est ça uniquement le fait. Alors je veux dire, et c'est ça, donc, retenez juste ça, mais je voudrais déjà en tirer des conséquences comme éthiques. Pour vous montrer que cette proposition, Adam mange du fruit et tombe malade parce qu'il s'empoisonne, elle est assez inépuisable. Avant même qu'on cherche ce qu'elle veut dire philosophiquement, je crois. Tirons-en les conséquences. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de conséquences pratiques, c'est-à-dire éthiques. Finalement, il y a une expression assez courante, hein, s'empoisonner la vie. Il y a des gens qui s'empoisonnent la vie. Ça veut dire quoi ?
Je veux dire, prenons cette conduite d'Adam. Il avait des moyens de savoir si le fruit était un poison ou non. Soit la révélation de Dieu, soit l'expérimentation. Il s'est précipité sur le fruit, il l'a mangé, et puis il tombe malade. Est-ce que d'une certaine manière, si ça fait tellement rigoler Spinoza, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas ce qu'on fait? Et s'il prend cet exemple, est-ce que c'est pas un exemple très représentatif de ce qu'on fait tous les jours? À savoir, on ne cesse pas. Et peut-être que la morale n'a pas grand-chose à nous dire à cet égard, mais peut-être que l'éthique a beaucoup à nous dire à cet égard. Nous ne cessons pas de nous mettre à la lettre dans des situations impossibles. S'empoisonner la vie, c'est cet art que nous avons de nous mettre nous-mêmes dans des situations impossibles. Situations impossibles, ça veut dire quoi? Des situations, ben, finalement, hein, qui vont faire qu'on tombe malade. Et on y va en courant. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce serait à ce moment-là? Le contraire. Puisque ça, c'est un phénomène de maladie. Il mange le fruit, il tombe malade. Mais malade, on ne cesse pas de le devenir. On se rend malade. Adam s'est rendu malade. Bien. Je me rends malade tout le temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que ce serait? Ne pas se rendre malade. Voilà qu'on est en train de dessiner un nouveau pan de l'éthique. Je disais, l'éthique, ça veut dire il n'y a pas de bien ni de mal, mais attention, il y a du bon et du mauvais. C'est en train de devenir doucement, dès notre première avance, il n'y a pas de bien ni de mal, mais attention, il y a de la santé et de la maladie. Et en un sens très très général, il y a de la santé et de la maladie. Je ne cesse pas de me mettre dans des situations impossibles qui me rendent malade. J'en suis malade. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que ce serait le bon? Qu'est-ce que l'éthique nous conseillerait? Avant même de faire de la morale, agir sur les situations. Tiens, voilà que l'éthique deviendrait un art d'agir préventivement sur la situation. Surtout, attendez pas d'être dans votre situation impossible. Commencez par pas vous y mettre. Bon, ça a l'air d'être une prudence, mais plus ce sera plat, plus peut-être ce sera gonflé de quelque chose de philosophique. On va voir où ça nous mène. Où ça peut nous mener, ça? Quand on est la morale, c'est, bon, la situation étant donnée, il faut agir pour le mieux. L'éthique, elle dira pas ça. Oh, si vous êtes dans telle situation, que vous soyez lâche, que vous soyez abominable. C'est forcé. Il ne s'agit pas d'être courageux dans des situations intenables, parce que ça, non. C'est dur d'abord. Non, il s'agit de ne pas vous flanquer dans cette situation-là. Alors, est-ce que ça veut dire fuyez? On va voir tout ça, on va voir. Il faut peser chaque mot, il faut aller très très lentement. Donc, l'éthique, ce serait quoi? Pas du tout un art de se retirer de toute situation, mais ce serait l'art d'opérer une espèce de sélection au niveau de la situation même. Qu'est-ce que ça veut dire, cet art de la sélection au niveau de la situation même? Qu'est-ce qu'il a eu tort? C'est précisément, je devance là, parce que ce sera le premier sens, je ne dis pas le sens ultime, mais ce sera bien ça, le premier sens de ce que Spinoza appellera la raison. Quelle est la différence entre l'homme raisonnable et Adam? À quel point Adam ne s'est pas comporté de manière raisonnable? C'est que l'homme raisonnable, c'est celui qui fait une espèce de sélection. Il expérimente. Il cherche ce qui est poison et pas poison dans une situation. Il élimine de la situation ce qui est poison. Ou il essaie, autant qu'il est en lui, autant qu'il peut, chacun s'efforce, chacun s'efforcera. Sélectionner les données de la situation. Voilà une tâche qui n'est pas morale, hein, elle est éthique. Toujours dans notre souci pratique de distinguer une éthique et une morale.
Et voilà qu'à mesure que je dis ça, je me dis, et évidemment, j'ai raison. J'ai raison pourquoi? Parce que, à des années de distance, retentit des pages très très curieuses de quelqu'un qui avait autant d'humour que Spinoza. L'humour le plus étrange du monde, qui n'était pas ouvertement spinoziste et qui écrit sur ce seul point des pages spinozistes, à savoir Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, malgré tout ce qu'on dit, il n'aimait pas la morale. Il n'aimait pas du tout la morale. Et dans les confessions qui sont jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment du livre, le livre le plus drôle du monde, enfin, des livres les plus drôles, les plus amusants du monde, les confessions ont même une composition extraordinaire, c'est-à-dire Rousseau est absolument déchaîné pendant tous les premiers livres des confessions, raconte vraiment n'importe quoi, se compromet jusqu'au bout. C'est un des livres vraiment, vraiment drôles. On ne peut pas le lire sans rire beaucoup à chaque page, du moins à beaucoup de pages. Toutes les aventures de Rousseau, tout ça, c'est épatant. Et puis se fait une espèce de processus. Alors là, c'est un grand livre pour la formation de ce qu'on peut appeler le processus pathologique. Ça fait, à mesure qu'il avance dans le livre, le rire s'éteint. La grande rigolade s'éteint. Et ça tourne vraiment à une espèce le truc, il y a le thème de la persécution qui surgit d'abord très petit à petit, et puis il y a l'emprise, la tombée, alors dans cette terrible maladie, dans cette espèce de paranoïa délirante, là. Et le livre devient de plus en plus sombre, sombre, sombre. Mais c'est un livre admirable par cette composition. La flèche de rire, là, pendant tous les premiers livres, hein, l'espèce de manière dont Rousseau ne cesse de dire au lecteur, voyez comme je suis complètement ridicule, grotesque, mais je m'en tire finalement, c'est moi qui les aurai. De plus en plus, non, ils sont en train de m'avoir, jusqu'à alors à la fin où les pages d'angoisse sont, c'est un livre formidable de composition à la fois volontaire et involontaire. Mais je dis dans les confessions, Rousseau explique à un moment qu'il méditait un grand livre qu'il n'a jamais pu faire, et que ce grand livre se serait appelé « La morale », mais attention, la morale sensitive. La morale sensitive, ou le matérialisme du sage. Vous voyez, morale, oui, mais sensitive. Par opposition à la morale tout court. Le sage, oui, mais matérialisme du sage. Or, qu'est-ce que c'est, la morale sensitive ou le matérialisme du sage? On n'est pas étonné d'y voir, là, un ton et un thème à la lettre, là, je n'exagère pas, c'est d'après la lettre même du texte, un ton et une lettre vraiment spinoziste. Car tout le thème de cette morale que Rousseau voulait faire et qu'il n'a jamais pu faire, consistait à dire ceci. La morale, c'est pas intéressant. Pourquoi la morale, c'est pas intéressant? Parce que elle vit tout entière sur un thème qui est absolument un faux thème. C'est le combat de la vertu et de l'intérêt. Combat de la vertu et de l'intérêt. Et ce que la morale ne cesse de mimer, et ce à quoi elle ne cesse de nous appeler, c'est à cette lutte de la vertu et de l'intérêt, où la vertu est censée devoir l'emporter sur notre intérêt. Il faut que nous nous fassions nous-mêmes les agents de la vertu et de la justice au besoin contre notre intérêt. Et c'est ça la morale. Rousseau, il dit, ça n'a jamais marché une chose comme ça. Et Rousseau, il lance une chose à laquelle il croit énormément. Et qu'il y croit d'autant plus qu'au début, ça le fait beaucoup rire. Et ensuite, ça va le faire énormément. Ça va l'angoisser beaucoup. Mais au début, il trouve ça très très drôle. Il dit, mais vous serez méchant et vous serez vicieux tant que vous aurez intérêt à être vicieux et méchant. Il n'y a jamais de lutte de la vertu et de l'intérêt. La vertu, elle suit. Elle s'arrange, c'est même ça qui fait les hypocrites. Elle s'arrange toujours, elle suit l'intérêt, la vertu. Il n'y a jamais de conflit justice, intérêt, vertu, intérêt. Pas vrai ça.
Il dit moi j'en sais quelque chose, hein, moi jamais, hein, dit Rousseau. Et là il dit tout dans les confessions, il dit très bien, moi j'ai posé pourtant à la morale, hein, j'ai posé à l'être moral, je suis connu pour ça, mais je peux vous le dire d'autant plus, hein. La vertu elle suit toujours l'intérêt, j'en sais quelque chose. Alors que faire si la vertu suit toujours l'intérêt? Eh bien il dit voilà, nous sommes dans des situations, c'est ça le matérialisme, c'est vraiment l'être en situation. Nous sommes dans des situations. Eh bien, dans des situations, il y a toujours des choses ou il y a toujours des éléments de la situation qui nous donnent intérêt à être méchants. La morale sensitive, c'est sélectionner dans la situation, éliminer les éléments qui nous donnent intérêt à être méchants. Si vous avez intérêt à être méchant, vous le serez. Vous aurez beau vous le cacher même à vous-même, le cacher aux autres, vous le cacher à vous-même, vous serez lâche et méchant. Donc c'est pas là qu'il faut lutter. Il ne faut pas lutter là. Même à la limite, il ne faut pas lutter du tout. Il faut instaurer des situations où vous n'avez pas intérêt à être méchant, ou bien sélectionner dans la situation en éliminant les éléments qui vous donnent intérêt à être méchant. C'est, si vous voulez, à la fois une idée extrêmement plate, mais si vous la comprenez, elle est quand même très, très curieuse, cette idée. Si vous concevez quelqu'un qui vit comme ça, parce que ça va donner quoi? Ça, c'est le premier texte que j'invoque des confessions. Je dis, il est strictement spinoziste. Deuxième texte que j'invoque, la nouvelle Héloïse, le roman par lettres de Rousseau. C'est un drôle de texte. L'héroïne, oh là là, j'aurais dû regarder, là, non, je ne sais plus, Julie, hein, que je ne me trompe pas, serait catastrophique, c'est Julie. L'héroïne Julie aime, tombe amoureuse, étant jeune fille, tombe amoureuse de son précepteur, Saint Preux. Bien. Elle est forcée d'épouser un monsieur qu'elle respecte et estime, mais qu'elle n'aime pas d'amour et qui s'appelle Monsieur de Volmar. Saint-Preux reviendra, refaisant une tentative de reséduction. Voilà. Et il y a deux épisodes assez curieux. Monsieur de Volmar, c'est un roman en effet très très bizarre. Monsieur de Volmar emmène Julie et Saint-Preux dans la grotte où ils échangèrent leur premier baiser. Il les laisse. Quel art! Quelle habileté éthique! Et là, les deux se regardent comme ça. Bon. D'autre part, Monsieur de Volmar tombe extrêmement malade. Et Julie prend une décision, par serment, presque devant notaire. Elle déclare, même si mon cher mari meurt, je n'épouserai pas Saint-Preux. Voyez, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je commente, parce que je commente d'après le commentaire même de Rousseau. La nouvelle Héloïse est faite par lettres, échange de lettres. Mais dans un seul cas, ou peut-être dans deux cas, il y a une note personnelle de Rousseau, précisément à propos de l'engagement de Julie de ne pas épouser Saint-Preux, même si Volmar meurt. Et là, Rousseau met une note en son nom. Et dit, c'est comme ça qu'il faut se conduire dans la vie. Qu'est-ce qu'elle fait, Julie, en effet? D'après le commentaire littéral de Rousseau, vous irez rechercher le texte, j'espère, commentaire littéral de Rousseau, elle était dans une sale situation. Tout tournait autour d'elle, elle se disait, Saint-Preux est revenu, etc. Elle change la situation. Elle prend l'engagement que, quoi qu'il arrive, même si Volmar meurt, elle n'épousera pas Saint-Preux.
Même pour des raisons sociales, elle ne peut pas revenir là-dessus. Tout le monde a entendu l'engagement, etc. C'est un peu comme on se fait les joueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Les joueurs, quand ça va vraiment trop mal, les joueurs, ils se font interdire au casino. Alors, ils remplissent un papier, les joueurs qui l'avant, ou bien ils vont traîner une vie d'infamie, où père, mère, enfants, etc., ne pourront plus manger, et eux dissiperont tout l'argent de la famille en jouant. Et ce sera la honte, la déchéance de situation en situation catastrophique, ou bien ils se font interdire. Il ne faut pas une énergie extraordinaire, il suffit de 2 minutes. Ils courent au casino, ils remplissent un papier de demande d'interdiction, d'auto-interdiction. Papier enregistré, ils ne peuvent plus entrer dans le moindre casino de toute leur vie. C'est prévu pour ça, c'est parfait. Si vous êtes le moins du monde joueur, même avant d'avoir jamais joué, remplissez votre papier d'interdiction. Ça ne vous arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je voulais que vous sentiez qu'on s'approche, à force de dire des trucs, des idioties comme ça, qu'on s'approche de quelque chose, on tient quand même quelque chose. Par cet acte, il se trouve que dans ce cas précis, c'est un acte de volonté. Bon. Par cet acte de volonté qui n'a pas pris, qui n'est pas héroïque, ils ont changé la situation. Ils ont modifié la situation. Ils ont introduit un élément nouveau dans la situation. Et Rousseau, en pleine forme, ajoute un troisième exemple. Non, l'exemple du jeu n'est pas de lui, mais il n'ajoute rien. C'est ce qu'a fait exactement Julie. En déclarant publiquement, quoi qu'il arrive, je n'épouserai pas Volmar, elle a modifié la situation. Et Rousseau ajoute un exemple bien meilleur encore, auquel il doit tenir, lui, personnellement. Il dit, vous comprenez, l'héritage, c'est un drôle de truc. L'héritage, c'est une institution très bizarre, dit Rousseau, parce que, quoi que vous fassiez, dans la mesure où vous êtes héritier, vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, être amené à... Vous ne pouvez pas ne pas être amené à souhaiter la mort de vos parents. Quel héritier n'a pas souhaité un jour la mort de son père? Or, ça, c'est la situation. C'est la situation, voilà, typiquement, selon Rousseau, peut-être que vous comprenez à ce moment-là que ce que je suis en train de dire, ça engage beaucoup de choses de la pensée de Rousseau. Pourquoi est-ce qu'il est tellement critique de la société? C'est que pour lui, la société, c'est pas compliqué. C'est un système qui vous donne, à tous les moments, intérêt à être méchant. C'est une définition objective de la société. Dans la société, vous ne cessez pas d'avoir intérêt à être méchant, injuste, tout ce que vous voulez. Tyran, lâche, tout. Bon, alors, c'est comme ça la société, selon Rousseau, oui. C'est comme ça la société. Vous avez toujours un intérêt à être le plus salaud possible dans la société. Bon, alors vous aurez beau, avec votre morale, dire « je suis noble et généreux », ça n'empêche pas que vous vous conduirez comme tout le monde. L'héritage est typique. Si vos parents ont de l'argent, bah, vous êtes bien forcé à un moment. Hein, votre père ou votre mère vous a embêté, vous dites « Ah là là, vite qui crève, hein, qui meurt, celui-là. » Bon, vous avez intérêt à être méchant, à souhaiter la mort de quelqu'un. Et Rousseau dit « Le seul acte de morale sensitive, matérialisme du sage, c'est quoi ?» Renoncer à l'héritage. Renoncer d'avance à l'héritage. Devant notaire, je renonce à l'héritage. Du coup, oh ben, je me sors d'une sale situation. J'en ai traîné ma vie 20 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, en me disant quand est-ce que mon papa va mourir. C'est pas une vie tellement brillante ni fameuse. Hein, c'est pas... Il y a mieux à faire dans la vie. Il y a mieux à faire qu'attendre l'héritage. Il y a quand même beaucoup de gens qui, si vous pensez à l'histoire de l'humanité, ont vécu en attendant des héritages. Bon non, c'est idiot, c'est une vie moche, quoi. C'est une vie de crétin, d'imbécile. Bon, alors, comme ça, je règle tout. Je règle tout. Je me sors de la mauvaise situation. Je renonce à l'héritage. Devant notaire. Tiens, je me dis, c'est curieux cet exemple de Rousseau, parce que
Rousseau ne le savait pas, mais c'est exactement ce que Spinoza a fait. Exactement ce qu'il a fait. Son père avait une maison de commerce, de fruits. C'était le circuit Espagne, Portugal, Pays-Bas. Il avait une maison de commerce. Elle marchait bien, il semble. Là, les avis sont partagés, mais enfin, les détracteurs de Spinoza disent qu'elle ne marchait pas. Mais les spinozistes disent qu'elle marchait bien. Alors, supposons qu'elle marchait bien. Alors, bon, Spinoza, il s'en est occupé un moment. Il avait un beau-frère. Il avait donc une sœur. Il avait un beau-frère. Il travaillait avec le beau-frère. Tout ça a dû l'embêter à un point. Alors, il a dit, d'accord, allez. Et il a renoncé à l'héritage. Il a renoncé. Comme ça, il avait la paix. Il s'était sorti de cette situation-là. On n'allait pas venir lui dire, alors tu vis de la famille, non. Il s'est mis à polir ses verres de lunettes, comme ça. Il s'était tiré de la situation. Bon. C'est curieux que Rousseau invoque le même, en effet, parce que s'il y a quelque chose dans la société qui donne intérêt à être méchant, c'est précisément sans doute l'héritage, c'est une œuvre. Mais ça va beaucoup plus loin. Toute la vie de Rousseau, il l'a construite, la sagesse de Rousseau lui-même, il l'a construite comme ça. Éviter de se mettre, il savait que, c'est pour ça que les Confessions, c'est tellement comique comme livre, il savait que dans la plupart des situations classiques, dans la plupart des situations ordinaires de la société, Rousseau savait très bien qu'il tournait très vite en grotesque. Il raconte ça, il raconte beaucoup ça. Quoi qu'il arrivât, c'était lui le comique. C'était un destin, il faisait rigoler tout le monde. Rousseau entrait dans une pièce, il était sûr de se cogner. C'était le drame, il promenait le drame avec lui. Il entrait, il était sûr, les gaffes, Rousseau raconte toutes les gaffes qu'il faisait, c'était une merveille. Dès qu'il se sentait un peu détendu, il disait quelque chose à son voisin, bon, c'était pas de chance, c'était juste le type à qui il fallait pas le dire. En plus, il avait une incontinence d'urine, comme il le déclare, si bien qu'il pouvait pas rester 5 minutes dans un salon sans courir au cabinet. Alors, tout le monde disait, ah, c'est Rousseau, c'est rien. Bon. Il se dit, il faut que je m'en tire. Il faut que je m'en tire. Et il prétend lui-même, à mon avis c'est très mal compris par les commentateurs, il prétend lui-même que toute son attitude antisociale, c'est venu précisément de cela, qu'il voulait se tirer de ces situations où il était ridicule. Alors, beaucoup de commentateurs, surtout ceux qui n'aiment pas Rousseau, en tirent l'idée que vous voyez, ce n'était pas sérieux ces idées. Je rencontrais que c'est la preuve à quel point c'était sérieux. Ce que Rousseau vivait fondamentalement, c'était ceci. Nous ne sommes pas méchants de nature. C'est ça son idée de la bonté naturelle. Nous ne sommes pas méchants de nature, c'est pas vrai. Il disait, c'est pas qu'on vaille beaucoup mieux que méchant. Il pensait pas qu'on était très bon, il disait, on est plutôt égoïste. On s'arrange, on n'est pas méchant de nature. En revanche, les situations nous rendent méchants. Et là, alors, on devient impitoyable. On devient les pires salauds au niveau des situations. Mais c'est les situations qui nous rendent méchants. D'où son idée, lui qui se sent particulièrement bon, je suis le meilleur des hommes. Il va pouvoir devenir effectivement ce qu'il est, à savoir le meilleur des hommes, que s'il se tire des situations, c'est-à-dire que s'il exerce une action sélective sur les données de la situation. Et comprenez que ça, il en tire alors, une espèce de vision que j'appelle encore une fois spinoziste très grandiose. Parce que toute sa théorie de l'enfant, elle vient de là. L'enfant, c'est pas qu'il soit méchant, il dit. C'est que simplement, on le met, la société le met immédiatement dans des situations où il a un tel intérêt à être méchant, qu'alors il le devient tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces situations? Rousseau les a définies admirablement, et c'est le troisième texte que je cite pour en finir avec Rousseau, et il l'a défini admirablement dans l'Émile. Il dit, qu'est-ce que c'est la situation de l'enfant? Et bien finalement, c'est une situation qu'on peut nommer, qu'on peut décrire, si on cherche le fait de cette situation, c'est dépendance-tyrannie. Dépendance-tyrannie, avec renversement perpétuel. Esclave-tyran. C'est ça la situation de l'enfant depuis le début dans la société.
L'enfant est esclave parce qu'il dépend entièrement des parents. Et par contre-coup, il devient le tyran de ses propres parents. En quel sens ? Rousseau nous dit, l'éducation le dit elle-même. L'enfant, parce qu'il est dépendant, il ne cesse pas de crier. En effet, crier, c'est quoi ? C'est comme lorsqu'un chat miaule, quoi. Un chat miaule pas pour dire « je veux du lait ». Ça, c'est une proposition d'adulte, d'humain adulte, « je veux du lait ». Un chat miaule, c'est ce que les Américains appellent quand ils font de la bonne analyse de proposition. Ils disent « c'est pas une proposition d'objet miaulé ».« Je veux du lait », c'est une proposition d'objet. « Miaulé », c'est pas une proposition d'objet, c'est une proposition de relation. Miauler, c'est la relation de dépendance. Quand le chat miaule dans un appartement, c'est la relation de dépendance. Il attire l'attention du maître. Un enfant qui crie, c'est pas une proposition d'objet, c'est pas « je veux du lait ». C'est « ouïouille maman ». Et là-bas, maman. C'est une proposition de dépendance. Du coup, la mère lui apporte du lait. En d'autres termes, c'est dans la même situation que l'enfant est fait esclave et se fait tyran. Et Rousseau dit, dans l'éducation, il y a un mauvais principe qui commence dès le début, bien avant que l'enfant parle, c'est que les parents ne cessent pas d'apporter les choses aux enfants. Apporter la chose à l'enfant, ça, c'est déjà la situation corruptrice. Vous voyez ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire une situation d'un intérêt à être méchant. Le petit bébé, il comprend ça très vite, il va pas cesser de crier pour qu'on lui apporte chaque fois quelque chose. C'est le diable, tout ça. C'est le même, c'est l'esclave tyran. C'est la situation de dépendance-tyrannie. Or, vous voyez ce que veut dire Rousseau, et là ça devient très profond, il dit... C'est finalement la matrice de toutes les situations sociales. L'esclave tyran, c'est la situation sociale. C'est la situation sociale clé. Et Rousseau lance sa grande formule de l'Émile, l'éducation, ça devrait consister à substituer à la dépendance des choses, à la dépendance des personnes, la dépendance des choses. Entendez ? Substituer à la dépendance par rapport aux personnes, la dépendance par rapport aux choses. C'est-à-dire, ne jamais amener quelque chose à l'enfant, amener l'enfant à la chose. Bon, là vous changez déjà la situation. Sans doute vous l'amenez, il ne peut pas marcher, d'accord, alors vous l'amenez. Mais c'est lui qui sera déplacé, ce n'est pas la chose qui sera déplacée. Et vous tournerez de plus en plus l'enfant vers des propositions qu'on pourrait appeler des propositions d'objet, et de moins en moins vers des propositions qu'on appelle propositions de relation. Substituer à la dépendance des personnes une dépendance des choses. Bon, ça veut dire changer la situation. Vous comprenez ? Alors, si j'ai fait cette longue parenthèse, c'est parce que ça m'intéresse à quel point... à beaucoup d'années de distance, vous pouvez trouver chez un auteur qui lui le reprend dans son système. Je ne veux pas dire que Rousseau soit spinoziste, je dis qu'il l'est sur ce point, et que dans la pensée de Rousseau il y a cette espèce de noyau spinoziste qui n'existe pas simplement comme noyau, puisque au niveau de Rousseau c'est parfaitement cohérent avec tout l'ensemble de la pensée de Rousseau lui-même, tout ce que je viens de vous dire. Mais ce qui m'importe, c'est cette résonance entre les deux auteurs, résonance vraiment littérale. Car, encore une fois, qu'est-ce que Spinoza appellera l'effort de la raison ? L'effort de la raison, ce sera typiquement un effort pour sélectionner dans les situations ce qui est apte à me donner ce que Spinoza appelle de la joie et à éliminer ce qui est apte à me donner de la tristesse. Or, c'est mot à mot ce que Spinoza, ou bien substituer,
ce qui est apte à me donner de l'indépendance et éliminer ce qui est apte à me donner de la dépendance. Eh bien, c'est mot à mot ce que Rousseau appelait matérialisme du sage ou morale sensitive. Et c'est ça l'éthique. Donc, ça, c'est juste un premier point dans « Marcher du statut du mal ». Si bien qu'on revient au fait, Adam n'était pas un sage, il n'avait pas de morale sensitive. Sinon, il aurait trouvé le moyen d'éviter le fruit. Il ne se serait pas mis dans cette situation. Mais voilà qui s'est mis dans cette situation. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il est tombé malade. Adam n'est plus ce qu'il était. Vous voyez, je reviens à mon thème, il a mangé du fruit, il est tombé malade, c'est ça le fait. Et Spinoza peut nous dire très gaiement, là-dessus, on peut vous raconter toutes les histoires que vous voulez. N'empêche pas, c'est des histoires. Le seul fait qu'on peut tirer de cette histoire, c'est ce que je vous dis, Adam est tombé malade après avoir mangé du fruit. Or, déjà, ça, et je crois que ça m'autorise à dire que bien derrière tout ce que vous voulez, sauf d'être stupide, déjà ça, alors, Bielberg ne le laisse pas passer. Il ne le laisse pas passer, et il l'attrape, là, vraiment Spinoza, là. Il lui dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, là, et à quoi ça vous engage ? Vous vous rendez compte, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'il vient de nous dire Spinoza, à quoi ça nous engage tous, puisque... Terrible, terrible. Blienberg va lui dire trois choses, va lui faire du coup trois objections. Et tout est parti. Toute la correspondance va se trouver d'avance justifiée. Blienberg va lui répondre, mais quand même, hein? C'est pas rien ce que vous venez de dire avec Adam et la pomme, là, cette histoire-là. C'est pas rien. Et il lui fait trois objections. À savoir, première objection. Mais alors, le vice et la vertu. Vous avez prétendu en extraire un fait, d'accord. Mais alors, le vice et la vertu, c'est simple affaire de goût. Là, il est très fort, Blienberg, parce qu'il aurait pu passer, pas bien comprendre tout ça, mais il dit, mais... Alors, il faut que vous alliez jusque-là. Puisque finalement, vous assimilez Adam à manger du fruit défendu, hein. Adam s'est empoisonné. Il a mangé de l'arsenic. Il a mangé de l'arsenic qui le rendait malade. Donc, allez jusqu'au bout, dites franchement, le vice et la vertu, c'est affaire de goût. D'accord, hein, c'est, je trouve que c'est une forte objection, là, Spinoza, et qu'est-ce qu'il va répondre ? Ça devient intéressant. Première objection, donc. Deuxième objection, la plus technique. Et savoir si quelque chose est un poison ou pas, c'est affaire d'expérimentation, on ne le sait pas d'avance. Donc, non seulement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Dieu révèle à Adam avant l'expérience. Il ne peut pas y avoir de révélation si c'est affaire de poison. Il n'y a pas de révélation concernant les poisons. On conçoit des révélations concernant les mathématiques. Que Dieu m'apprenne que 2 plus 2 égale 4. Ça oui, ça peut être objet d'une révélation. Parce que c'est une vérité dite nécessaire. Mais que quelque chose, que l'arsenic soit du poison pour moi... Ce n'est pas une vérité nécessaire, c'est ce qu'on appellera une vérité de fait. Il n'y a pas de révélation concernant les vérités de fait. Les vérités de fait, c'est affaire d'expérience. Donc, toute la morale, il n'y a pas de morale, toute la morale devient affaire d'expérience. Seconde objection donc, de Blienberg. Troisième objection de Blienberg, la plus dangereuse. S'il est vrai que pour vous, vice et vertu, c'est affaire de goût, qu'est-ce que vous allez dire de quelqu'un pour qui le crime a bon goût ? C'est-à-dire,
Le criminel, lui, qu'est-ce que vous allez dire contre lui s'il vous dit « j'aime ça » ? Les crimes, c'est peut-être des poisons pour celui qui le subit, en effet, le crime, ça agit comme de l'arsenic. Et pour celui qui le fait, c'est pas un poison, c'est au contraire un délice, supposons. Alors, pour celui qui fait le mal et pas pour celui qui le subit, le crime devient donc une vertu nécessairement. Oh, pas mal. Voilà un texte de Blienberg à cet égard. Mais il faut dire qu'il a été précédé par, c'est dans la lettre 21. Voilà ce que Spinoza a dit. Là, il cherchait, il allait loin, Spinoza. Quelqu'un qui s'abstient du crime uniquement par peur du châtiment n'agit nullement par amour et ne possède pas du tout la vertu. Quelqu'un qui s'abstient du crime par peur n'est pas vertueux, dit Spinoza. D'accord, platitude. Il ajoute, pour moi, je m'en abstiens ou m'efforce de m'en abstenir parce que le crime répugne expressément à ma nature singulière. Bizarre, vous voyez, il ne parle pas le langage amoral. Il ne dit pas parce que le crime répugne à l'essence de l'homme, à la nature de l'homme. Il dit « Pour moi, je m'en abstiens parce que le crime répugne à ma nature singulière, à moi, Spinoza. » Il dit « Ça ne m'intéresse pas, le crime, non. Alors, je m'en abstiens, je ne suis pas criminel parce que ça ne m'intéresse pas. » D'où la réponse de Blienberg. Voilà. « Vous vous abstenez, dans la lettre 22, vous vous abstenez de ce que j'appelle les vices parce qu'ils répugnent à votre nature singulière. » Et non parce que ce sont des vices. Vous vous en abstenez comme on s'abstient d'un aliment dont notre nature a horreur. Ah, il a très bien compris. Il a tout à fait bien compris, je trouve. Vous vous en abstenez comme on s'abstient d'un aliment dont vous avez horreur. Par exemple, j'aime pas le fromage, je m'abstiens du fromage. Non, d'accord. Eh bien, pour vous, le vice et la vertu, c'est pareil. Vous en abstenez, et voilà ce qu'il continue. Certes, celui qui s'abstient des actes mauvais parce que sa nature les a en horreur, ne peut guère se targuer de vertu. C'est pas de la vertu, dit Blienberg. Comprenez, vous vous abstenez de ce qui est pour vous l'équivalent de l'arsenic. On ne dit pas que quelqu'un qui s'abstient de manger de l'arsenic est vertueux. En d'autres termes, vous niez le vice et la vertu. Et si l'on vous montre quelqu'un à qui convient le crime, vous direz « il faut, il a raison d'être criminel ». On en est, si vous voulez, là vraiment un texte extrême où la morale somme l'éthique de s'expliquer. Et du coup, en même temps, on se dit, bon, on est loin d'avoir fini avec cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a juste notre schéma très général. La pomme aurait agi comme de manière à rendre malade. La pomme aurait agi sur Adam comme, trois petits points, de manière à le rendre malade. Comprenez mon problème, là j'ai l'air de déborder toujours, mais en fait on verra à quel point je déborde pas. Comme quoi ? Jusqu'à maintenant j'ai dit comme de l'arsenic. Oh non ! Est-ce que je ne me suis pas trop engagé ? Est-ce que déjà j'en ai pas trop dit ? Est-ce que c'est comme de l'arsenic que la pomme agit sur Adam ? Spinoza pourtant nous dit bien comme un poison. Mais est-ce qu'il y aurait une autre possibilité ?
on en aura peut-être besoin, je cherche, puisqu'on se dit qu'il faut vraiment aller doucement dans des textes comme ça. Eh bien oui, il y a une autre possibilité. Car la maladie et le problème de la maladie, devenir malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été posé de manière très très diverse. Si nous intéresse vraiment la question du rapport de l'éthique avec la santé et la maladie, on sera forcément amené à rencontrer ces problèmes. Les évaluations de ce que veut dire être malade. Et je ne sais pas de faire là et de placer là une grande classification des types de maladies, mais c'est au fur et à mesure de mon commentaire que j'aurai besoin de ceci, de cela, puisque j'aurai dans l'arrière-fond de mon intention, j'aurai le projet. Est-ce que Spinoza nous propose une certaine idée originale sur ce que veut dire être malade ? Je remarque juste que, de tout temps, mais particulièrement dans une médecine relativement récente, pas toute récente, mais enfin, déjà au moment de Spinoza, on avait des lueurs là-dessus, il y avait déjà une grande distinction entre deux types de maladies. Les maladies dites d'intoxication et les maladies dites d'intolérance. C'est pas la même chose, une intoxication et une intolérance. Les maladies d'intolérance, elles ont été très vite repérées, elles ont nourri toute la catégorie des allergies. Ça peut se combiner, il peut y avoir à la fois intoxication et intolérance. Mais il peut y avoir intoxication sans intolérance et surtout intolérance sans intoxication. Le rhume des foins est une célèbre maladie d'intolérance. Beaucoup, beaucoup de maladies de peau sont des maladies d'intolérance, hein, vous savez. Tiens, ça m'aide, tout se retrouve, c'est bien, parce que ça marche, parce que... Quelle est la manière la plus simple? Vous savez, une maladie d'intolérance, c'est difficile à trouver. Je pense à un camionneur qui transportait des artichauts. Il faisait un eczéma terrible, terrible eczéma. Sur tout le corps. Alors, vous savez comment on procède? On quadrille le corps, le médecin quadrille le corps, pas du temps de Spinoza, mais maintenant, on a dû trouver des méthodes, enfin, il y a un certain temps, on quadrillait le corps et on faisait des épreuves. Je dis, ça marche, sentez que c'est ça, là, déjà, de la morale sélective, sensitive. On cherchait à sélectionner. Alors on quadrille le corps et on fait des expérimentations avec tous les éléments avec lesquels le sujet est en contact familier. Comme c'était un transporteur d'artichaut, évidemment on lui a inoculé de l'artichaut. Ça, sur une partie du dos, rien, rien. Tout avec la poussière, on inocule tout ça pour trouver la source d'intolérance dans le cas des maladies d'intolérance ou qu'on suppose d'intolérance. On ne trouvait rien. Je me souviens ça parce que c'est une observation qui m'avait beaucoup intéressé et que j'avais lu dans une revue médicale en attendant chez le dentiste. Alors, j'ai gardé ça, il y a très longtemps que j'ai lu et je l'ai gardé. C'est toujours des articles épatants parce que ça montre les médecins tellement attentifs, tellement, comme on ne les voit pas en fait, tellement attentifs qu'ils n'ont pas de cesse de trouver ce que le type a. Alors, bon, jusqu'au jour où le médecin s'est dit « Ah mais attention !» La queue d'artichaut et la feuille, c'est pas du tout composé pareil. Or, il avait inoculé de la feuille. Il a inoculé de la queue, et le type a fait alors une intolérance, une crise d'eczéma majeure. Merveille, merveille. Voyez le dos quadrillé, il sélectionne les trucs. Car, quel sera le soin fondamental? L'acte médical, ce sera quoi dans le cas maladie d'intolérance? Chaque fois que c'est possible, l'acte médical clé, ce sera dire au type, vous approchez plus de ça. Tirez-vous de cette situation. C'est évident qu'il a fallu reconvertir le pauvre spécialiste des artichauts en spécialiste des carottes. Il ne pouvait plus transporter de l'artichaut. Bon, il fallait le tirer de cette situation-là. Bien. Qu'est-ce que c'est là? Ça doit nous intéresser un peu parce que ça va peut-être faire rebondir notre problème. Quelle est la différence entre une maladie d'intolérance et une maladie d'intoxication?
Sans doute est-ce que les deux maladies existent, mais elles engagent.